peut arriver sur les volets roulants que vous ayez une perte de fin de course et que votre volet s'arrête au milieu et ne descende pas jusqu'en bas. Je vais vous expliquer la procédure pour remédier à ça. Dans un premier temps, on va effacer ce qui est en mémoire sur le moteur au niveau des fins de course et reprogrammer des nouvelles en commençant par le bas qui se fait à l'aide de la télécommande et en partie haute qui va se faire de manière automatique en remontant le volet. Pour supprimer la fin de course, il suffit d'appuyer sur le bouton PROG qui est à l'arrière de la télécommande et dans les 3 secondes qui suivent, appuyer sur STOP. Vous restez appuyé dessus jusqu'à ce qu'il y ait une réaction au niveau du volet. Une fois que le volet a réagi, vous pouvez paramétrer votre fin de course basse. Pour descendre le volet, il faut rester appuyé sur le bouton descente. Lorsque vous descendez votre tablier de volet, il faut faire en sorte de laisser 1 cm de jeu entre le fond de la coulisse et votre tablier, pour 2 raisons. La première, c'est pour éviter des tensions au niveau du moteur. Et la deuxième raison, c'est pour en hiver, pour éviter qu'avec le gel, ça se soude le tablier et la coulisse. Une fois que vous avez déterminé votre position, vous faites la même procédure, PROG de la télécommande et le bouton bas pour valider votre fin de course basse. Jusqu'à la réaction du volet. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remonter votre tablier complètement. En partie haute, il n'y a rien à faire, c'est une fin de course mécanique.